Salut tout le monde, ici le Envol qui est là pour l'épisode 15 de la The City. Oh, oh oui, l'épisode 15, il est là le précieux. Et on fait le screen recorder avec YouTube. Enfin, la vidéo est tournée avec l'appli YouTube Gaming qui possède deux fonctions qui est l'enregistrement de vidéo, ce que je suis en train de faire là, et puis la possibilité de faire des lives qui ne fonctionnent pas dû à mon débit très faible. Enfin, si, j'ai réussi à envoyer plus d'une minute de flux vidéo, ce qui est beaucoup, mais YouTube en veut pas parce que c'est vraiment trop mauvais. Voilà, en gros. D'accord, 74 minutes restantes, ok. D'accord. Alors, donc, on peut. Donc, ici, il y a le logo de la chaîne si on veut pas la webcam, on peut couper le son. Et on peut afficher la webcam, enfin la caméra avant. Putain, j'utilise des langages de PCiste là. Voilà, la caméra avant. Vous êtes comme ça les abonnés. Yeah. Voilà, la caméra avant qui marche comme ça. Voilà, donc on peut aussi couper le son, mais je vais pas m'amuser en pleine vidéo à couper le son. Hein. Pas une bonne idée. Alors on va présenter les constructions. La première, c'est cette... Enfin, je suis en Minecraft moulé, hein, pour ceux qui s'intéressent. C'est cette petite, ce petit meuble de résidence. Hein. C'est 6 petits appartements meublés hein, avec ordinateur. Oh, pour jouer à Minecraft. Voilà. Voilà. Donc avec petite terrasse. On a ensuite l'équivalent 4 résidences, mais 2 étages les résidences. Comme vous pouvez voir, enfin c'est pas meublé, mais voilà. Avec des terrasses aussi. De cette façon. Alors là, on a le fameux, je vais en profiter de le remontrer si je ne l'ai pas montré dans la précédente vidéo parce que je ne sais plus, l'entrepôt que j'étais en train de faire, voilà, finalisé. Ouh, j'ai un gros glitch de l'écran, je sais pas si ça s'est vu en pleine vidéo. Si ça s'est vu, message to Asus, please, make an update, please, please. Voilà, c'était le message en anglais de la vidéo, à la marque Asus, s'il vous plaît, faites une update, voilà. Donc ici on a ça va être une petit coin détente public, hein, voilà. Ici il y a route qui va être prolongée. Et là, c'est ce que j'ai fait hier, une station service que j'ai fini. Et là, enfin j'ai juste, il manque juste les prix des carburants qui seront mis là. Et puis ici on a le camion du tuto. Du tuto quoi? Bah du tuto camion qui va être publié soit le jour où je tourne cette vidéo, soit le lendemain. Et je vais aller voir tout là-bas la maison moderne de la démo qui elle est déjà disponible à l'heure actuelle où je parle. Je l'ai publié une journée avant que je tourne cette vidéo là. Voilà. Ou deux, non, deux. Pardon, deux journées avant. Putain, je vois pas le temps passer moi. Voilà donc. Je voulais montrer ce que je vous ai montré comme nouvelle construction. Maintenant. C'est moi ou YouTube Gaming moins efficace que mon screen recorder SCR. Mais en tout cas, il est plus stylé. SR a lui aussi la facecam, mais je sais pas si on peut bouger le truc. Puis c'est plus stylé, c'est en rond. Quand on désactive la facecam, ça affiche le logo de la chaîne, c'est trop stylé. Je mate ce logo, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 3 minutes. Tiens, je vais activer Life Scam pour se marrer, voilà. Allez. On est des bonhommes. Ah bah je vais faire une maison ici. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Faire une petite maison ici, tiens, voilà. Ce qu'on va faire. Coucou. La facecam qui sert pas à grand chose, mais je sais. Oula, il était violent ce glitch. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais ouh, il était violent celui-là. Please make an update now, please, please. message pour Asus. Ah, il était violent celui-là. Ouf, oh sévère. Hein. Oula, ouais. Vraiment sévère.
Bah ça, de toute façon, je pense que c'est logiciel parce que c'est depuis la dernière mise à jour qui avait été faite de 40 mégaoctets. J'ai installé, c'était une mise à jour de sécurité. Enfin, je pensais que c'était... Enfin, je l'ai installé parce que pour moi, ce point-là, c'était une mise à jour de sécurité contre la faille Stage Fight. Enfin, Stage Fight, je sais pas comment il prononce, qui a été détectée cet été. La faille du lait... La faille du gestionnaire multimédia sur Android, là, qui gère les fichiers multimédia, voilà. De la partie de la faille du multimédia Android, donc je vais la surnommer, voilà, puisque c'est bien un fichier multimédia et un SMS qu'on infectait les gens, enfin un MMS. Mais après, il y a des nouvelles variantes de la faille, plus complexes à exploiter, mais c'est. On appelle ça des nouvelles variantes de la faille, mais c'est pas vraiment des variantes, c'est juste une autre faille dans cette partie multimédia. Et pourquoi et d'où vient le nom de la faille? Et ben ça vient en fait du nom du composant d'Android qui est victime de la faille. Voilà pourquoi on dit que cette faille là une version 2.06, parce qu'il y avait une autre faille dans ce même composant. En fait, depuis qu'il y a eu cette faille critique, c'est pas qu'Android a des tonnes de failles, c'est que personne n'avait cherché des failles à cet endroit jusqu'ici, et du coup toutes les failles du passé qui sont accumulées entre temps, ben ça n'a jamais été corrigé. Donc forcément, depuis le temps, il y en a un paquet quand même. On a un petit paquet. Ça s'est accumulé, quoi. Bon, bah, les pro appels, je peux appeler ça petit. Vous avez au moins une faille par an. Hein. La faille du jailbreak, vous avez au moins une par an, sans compter les autres intermédiaires qui viennent se caler. Donc, voilà. Pas peine de nous donner des leçons, hein. Niveau faille de sécurité. Hein. Voilà. Déjà. Ouais, je conseille à ceux qui ont utilisé YouTube Gaming à l'heure actuelle, même s'ils sont en Amérique du Nord ou alors qu'ils ont du coup un petit appareil, de désactiver la data ou le Wi-Fi, le temps de tournage avec YouTube Gaming si vous n'êtes pas en live, parce que surtout ça peut avoir tendance à planter, surtout si vous avez eu un live qui a planté comme chez moi quand vous avez un débit de merde. Voilà, donc YouTube Gaming, pourquoi je m'adresse surtout à Amérique du Nord? Parce qu'elle est disponible en Amérique du Nord, mais j'ai fourni bien sûr ce profil de... via un message, un lien qui a été fourni par Frandroid, et le lien conduit vers APK Mirror, le site d'Android Police, un site possédé par Android Police. Donc bref, comme on peut dire, c'est comme la mondialisation. C'est la mondialisation, c'est quand tout le monde en profite. Voilà. En gros, comme avait dit un truc des guignols de la fou. Hein. D'ailleurs, je reprends. Hein. C'était début 2000, je crois. C'était en fait avec. Je sais pas si c'était début 2000, mais c'était avec un problème d'un pétrolier. Voilà. Un bateau pétrolier qui s'était échoué. Ils avaient fait un truc. Un truc sur la mondialisation. Alors, fais ça. J'ai plus envie de le déplacer, tiens. On va le déplacer au centre. Allez, on va rigoler. On va le mettre ici. Alors, maintenant, nous allons meubler notre petite maison. Voilà. C'est épisode 15 de City. D'habitude, je passe beaucoup de temps à présenter les constructions, mais la plus grosse nouveauté, c'est que j'utilise une autre appli. Voilà. C'est ça. Si vous arrivez que maintenant sur la vidéo, c'est ça la nouveauté. Présenter les constructions et il y a surtout un nouveau truc. Voilà. Tiens, je vais profiter de mettre un petit PC là. Ah, c'est ici. C'est quel sens déjà? Ok, il me l'a foutu dans ce sens là. J'ai une curiosité. Si je le mets dans ce sens là, il se met par défaut dans ce sens là en fait. D'accord. C'était juste pour voir. Voilà. Ça c'est fait. Oh non, c'est pas assez bien. Bon, d'habitude je mets plus de temps. Enfin, je passe pas toujours énormément de temps à meubler maison. Des fois je passe un peu plus de temps, mais là je le fais rapidos. Voilà. Être sympa une petite maison ici, parce que enfin là on aurait pu continuer le trottoir, mais bon, c'est, j'aurais pu laisser plus de place, mais bon, là c'est la station service, donc bon, vraiment pas de piétons qui passent énormément par là. Enfin, si les mecs ils font plein, quoi. Tiens, j'ai en profil, on a combien de vidéos? 9, 45, 46, 47. Bah, je vais enlever la webcam. Et on se retrouve pour une prochaine. Hein. Donc j'espère vous revoir
prochainement pour une vidéo avec cette appli. Allez, ciao ciao.